different brand. Ok. Bon frère, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Beau-fils. Beau-fils. Au moins tu peux commencer par nous saluer avant de jeter les affaires de la femme dehors comme ça. Fais ça au moins. Je ne suis pas là pour des salutations, je ne sais pas quoi. Je suis seulement venu vous retourner votre sale fille là-bas. Hey, ok. S'il te plaît, allons à l'intérieur et parlons-en calmement. Il n'y a plus rien à ranger, maman. Il n'y a plus rien, maman, rien. Hey. Je ne peux plus continuer à vivre avec votre fille qui n'a aucune moralité. Écoutez, est-ce que vous savez combien ça fait mal de savoir que ces trois belles filles avec qui j'ai vécu toute ma vie ne sont pas en réalité mes enfants biologiques? Ha! Non, non. Ça, c'est vraiment une grande honte. Ha! Chai. Andy, attends. Sylvia, tu as écouté ton mari. Hein? Ce n'est pas le temps de pleurer. Dis-nous, est-ce que c'est vrai? Mais, ma fille, dis-moi que ce que ton mari a dit n'est pas vrai, il ment. Je t'en prie. Maman, c'est vrai. Hey! Qu'allez-vous dire? Donc, vous n'avez plus rien à dire. Maintenant, dites-moi, quel déshonneur. Si elle était votre femme, l'auriez-vous pardonné et continué à vivre avec elle? Vous n'avez plus rien à dire. Hayo, dans la voiture, hey. On s'en va. Non, moi je n'irai nulle part. As-tu perdu la tête? Je n'irai nulle part, je reste avec maman. Je n'irai nulle part, je reste ici avec maman. Sylvia. Je n'irai pas. Pourquoi, Sylvia? Dans la voiture. Pourquoi tu décides de ramener la honte dans cette famille? Pourquoi? Pourquoi, Sylvia, dis-moi? Oh mon Dieu! Oh Seigneur! Sylvia, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour tu allais me faire autant mal. Pourquoi, Sylvia? Depuis quand tu t'es transformée en une prostituée? Dis-moi, tu as commencé cela depuis quand? Quand ton père était mort, c'est lui qui avait pris soin de nous. Il nous a amenés en ville. Il nous a ouvert la porte de sa maison. Sylvia, pourquoi tu crois? C'est parce que tu crois. C'est parce que tu crois. Je ne pouvais pas commettre cette abomination. S'il te plaît, crois-moi. C'est parce que tu crois, maman, s'il te plaît. Donc c'est un fantôme qui t'a engrossé à trois reprises, c'est ça? Hein? Ça ne s'est pas passé comme ça. Alors c'est quoi? Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Et arrête de faire des bêtises. Tu m'as humilié, tu m'as ridiculisé. Je ne saurais affronter les voisins. J'ai très mal, tu m'as blessé. Sylvia, pourquoi? Choma, viens me faire rentrer à la maison, ma fille. Et je ne vais être dérangée par personne. Oh,
Choma! Maman, crois-moi, ce n'est pas ce que tu penses. Crois-moi, maman. Ce n'est pas ce que tu penses. Ah! Maman! Ah! Ah! Maman, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Prends ton bâton. Lève-toi, maman, lève-toi. Lève-toi. Ah! Maman! Lâche-moi! Maman, s'il te plaît. Choma! S'il te plaît, arrête. Arrête ça, s'il te plaît. Cesse de pleurer, s'il te plaît. Maman? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie d'une crème glacée et de la pizza. Maman? La crème glacée et la pizza? Ils ne sont pas prêts pour l'instant. Non, maman, je veux qu'on m'achète que la pizza. Viens à la cuisine, il y a quelque chose de délicieux pour toi. Oui, maman, sérieusement, vous me manquez beaucoup. Oui. Merci, maman. La prochaine fois que tu contactes encore ta mère, alors tu verras les côtés sombres de moi. Mais papa, comment veux-tu que je reste loin de mes sœurs et de ma mère aussi? Le plus tôt tu apprendras à vivre sans elles, le mieux, ça sera pour toi. Papa, mais tu sais que tout ça n'est pas bien du tout. Fais attention, maman, fais attention. Je serai heureuse de te voir aussi. À qui est-ce que tu parles? Ah, maman, je ne parle à personne. Es-tu sûre que tu n'es pas avec ton téléphone? Ah, maman, je n'utilise pas le téléphone. Ok, dans ce cas, si tu n'as pas de téléphone, touche mon visage. Ah, maman, tu poses trop de questions. Oui, vas-y. Tu veux vraiment sentir mes mains? Oui. D'accord. Les voici, mes mains. Tu devais voir ça. Sais-tu que le mari de Sylvia l'a fait retourner auprès de sa mère? Toi aussi, je n'ai rien entendu de tel. Hé, Gloria, tu n'as vraiment rien entendu? Es-tu sûre que tu es de ce village? Ou même de cette communauté? Ah, donc tu es sérieuse, hein? Mais donne-moi des nouvelles, non? Je sais que tu ne manques jamais les informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman, ignore-les. Hein? Maman, allons-y. Lâche-moi. Ramène-nous à la maison. Allons-y, à la maison, maman. C'est ce que je ne veux pas entendre. Je ne suis pas une radio sans batterie. C'est parce que tu es mon ami. C'est pourquoi je te dirai tout. Écoute, mon papa m'a dit que cet homme-là l'a retourné chez elle parce que les enfants qu'elle a ne lui appartiennent pas. Mensonge. Ce n'est pas un mensonge. C'est une vérité. C'est mon père qui me l'a dit. Que cet homme l'a renvoyé parce que ses enfants ne lui appartiennent pas. Donc tu veux me dire que cette Sylvia que toi et moi connaissons a couché avec un autre homme? Hey, pendant qu'il est la femme d'un autre. Moi également, ça m'étonne. Un enfant qui ne connaît pas la médecine appellera cela légume. Elle n'a pas seulement couché avec différents hommes. Oh. Elle a couché avec plusieurs différents hommes. Hey! Je te dis qu'elle a couché avec plusieurs hommes. Oui. Tu ne sais pas que sa mère est une chrétienne dévouée? Alors pourquoi elle a mal éduqué sa fille comme ça? Qui pourra vraiment nous répondre à cette question, hein? Gloria, à qui allons-nous poser cette question? Ce n'est pas mon inquiétude. Et ce qui m'inquiète est que, à chaque fois cette Sylvia
passe dans cette avenue, elle hausse ses épaules comme ceci, comme si elle était supérieure à tout le monde. Mm-hmm. Même dans ses petits pas. N'importe quoi. Mauvaise trace. Juge. Juge. Elle a eu 3 filles. 1, 2, 3. Et même son garçon. Allons-y, je ne crois pas qu'il était de son mari. Que s'est-il passé? Pourquoi vous êtes rentré si tôt? Vous n'êtes plus allé à l'église? C'est maman qui voulait que nous puissions rentrer. Elle n'a plus voulu partir, alors nous sommes là. Mais que s'est-il passé, non? Maman? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi, ne me touche pas! Maman, mais laisse-moi je me souviens de rester seule. Maman! Lâche-moi! Assure-moi, que s'est-il passé? C'est à cause de ces filles que nous avons vues en chemin. Elles disaient de bêtises, alors maman m'a dit de retourner. Ne me les cache pas, dis-moi ce qu'elles ont dit. Mais elles parlaient à propos de toi, non? À propos de moi? Tu étais leur référence en regardant tout ce qui s'est passé. Je vais d'abord voir maman. Non. Non. Ceci ne peut pas m'arriver. Non. Non. Je dois affronter le monde. Suis-je supposée de faire face au monde? Non, ceci est trop pour moi. Je ne peux pas mêler ma famille dans tous ces stress. C'est beaucoup trop pour moi. C'est difficile pour moi de le porter. C'est trop lourd pour moi. Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Ce fardeau est difficile à porter. Hey! Non, non. C'est beaucoup trop. Je n'en peux plus. Non, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop. Ah! Non! Comment vais-je affronter le monde? Comment vais-je affronter le monde? Comment vais-je affronter le monde? S'il te plaît, chérie, prends ton appel. Prends ton appel et écoute-moi au moins. S'il te plaît, réponds. Juste réponds. S'il te plaît, réponds. Réponds, réponds, s'il te plaît, réponds. Ayo, le dîner est prêt. Je n'ai pas faim. Pourquoi? Mais tu n'as rien mangé depuis hier. S'il te plaît, cherche de quoi manger avant que tu n'énerves le patron. Tantine Christy, s'il te plaît, je n'ai pas faim. Ayo, je sais que ta mère et tes soeurs te manquent, mais essaie de manger quelque chose.
Allô? Ah, Chioma, comment vas-tu? En fait, je suis ici devant ta maison. Je sais pas si tu peux sortir afin que je te voie un peu. Ah, d'accord, tu sors, hein? Ok, je t'attends ici. D'accord. Jolie fille, comment vas-tu? Oui, ça va aussi. J'espère que tout va bien. Tu vois, hein? Écoute, tu ne peux pas venir me chercher à la maison. Ce n'est pas tous les hommes que je dois recevoir dans cette maison. Parce que comme tu me vois, je fais face à beaucoup de troubles dans cette maison. Oh non. Un chemin, je me rappelle, laisse-moi un peu te demander, hein? Pourquoi ta tante a fait ce que j'ai appris qu'elle a fait? Hein? Oui, il y a des choses que j'ai apprises, mais... Pardon. Ne le redis plus jamais. Attends, tu es passé pour me saluer ou t'es renseigné sur ma tante? Mais qu'est-ce que j'ai dit des mal? Quel genre de bêtises que cet homme est en train de dire? Est-ce que ce qui se passe dans ma maison te concerne? Hein? Tu n'as rien à faire, raison pour laquelle tu vas juste venir chez les gens avec des vêtements bizarres comme ça. Okay. La honte. Toi aussi, tu es un homme. Regarde-toi. Un homme qui n'a pas honte. Bien. Va-t'en! Regarde ces chaussures. C'est du plastique et même pas l'original. Va-t'en! Si tu as de l'amour pour toi. Ah non, écoute. Je suis désolé. Je n'avais pas l'intention de te blesser avec mes paroles. Je suis vraiment désolé, d'accord? Pardonne-moi. Je dis que je suis désolé. Hein? Viens, non? Je dis que je suis désolé, non? Mais pourquoi tu te comportes comme ça? Oh, wow. Tantine, où est maman? Ah, c'est quel genre de question ça? N'est-ce pas qu'elle est dans sa chambre? Non, Tantine. Êtes-vous sûr que vous êtes bien ce matin? Où est-ce qu'elle est? Elle n'est pas à la maison? Non. Chère amie. Ah ah. Ah, Bami Dele. Ah. Comment tu vas? Oui, je vais bien. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Et comme tu peux voir, je vais bien. Oh. Pas nécessaire de demander comment tu vas, parce que déjà tu vas très bien. Vraiment? Vous avez l'air d'aller bien aussi, les filles. Vous allez bien sûrement, je vois. Alors, où vas-tu? Je vais voir Ashioma. Oui, vous savez que je ne l'ai pas vu, ça fait un moment. Ami Dele, toi et ton Ashioma, personne ne peut vous séparer. Donc c'est Chioma que tu peux rendre visite maintenant? Oui, c'est là-bas que je vais maintenant. Hein? Bon, je m'en vais, nous allons nous voir plus tard. On se voit à mon retour. Cet homme est très beau. Je te dis. Calme-toi. Voilà, je suis amoureuse de cet homme. J'aime beaucoup cet homme. Mon ami, apaise-toi. D'ailleurs, laisse-moi te dire. Il serait mieux que tu arrêtes d'être amoureuse d'un homme qui en aime une autre. Qui d'ailleurs ne s'intéresse pas à lui. Betty, arrête ces choses. Je ne sais même pas pourquoi Bami Dele va rendre visite à cette femme de ménage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a que moi j'aime pas? Oh, mais c'est parce qu'elle est jolie, non? Et moi je ne suis pas belle. Ah non, tu l'es aussi. N'importe quoi. Écoute, tu vois ces Bami Dele, je vais la voir dans ce village, moi. Si je ne l'ai pas, alors ne m'appelle pas bossée. Ma copine. Maman? Hein? Ah, elle est introuvable. Je ne la trouve même pas dans sa chambre. Hein? Où peut-elle bien aller? Eh Dieu! Oh mon Dieu! Laisse-moi la rejoindre dans son téléphone. Peut-être elle... Shani? Tu ne l'as pas vue? Non. Hey! Tu veux dire qu'elle n'est pas là? Non, grand-mère. Hey. Hein? Où cette femme peut bien aller tôt le matin comme ça, non? Hey. Où est ma maman? Né. Guabo. Ma chérie. Ça va? Ne t'inquiète pas. Ta maman est allée acheter quelque chose. Elle va bientôt revenir. Hein? Oh. Hey. Ashoma. Maman. J'ai besoin d'aller me reposer. Je ne me sens pas bien. Fais-moi savoir quand elle reviendra, ok? Et cette femme, hein? Elle veut nous mettre dans de troubles. Par où vais-je commencer pour la chercher maintenant?
Parlons de ce que tu fais, tu en es la première. Qu'est-ce que tu dis? Maman. Hein? Rien du tout, je n'ai rien dit. Je crois t'avoir entendu dire quelque chose. Maman, j'ai juste dit que... Où allons-nous chercher Sylvain maintenant, hein? Très tôt comme ça. T'es sérieuse? Maman, entrons à la maison, comme ça tu vas te reposer, ok? Calme-toi, ok? On va la retrouver, hein? Doucement, doucement, doucement. Hey, Sylvia, oh. Pourquoi maman est toujours injoignable? Peut-être que le réseau n'est pas assez bon. Je vais essayer le numéro de Sy d'abord. Ah. Elle non plus ne répond pas aux appels. Maman n'est pas joignable et elle non plus ne répond pas aux appels. J'espère que tout va bien en tout cas. Si j'avais su, j'aurais pris le numéro de tante Nashoma. Oh mon Dieu. Je vais essayer d'appeler une fois de plus. Tantine, bonjour maman. Pardon, nous sommes à la recherche de ma tante, l'as-tu vue? Oui, ta tante était passée par ici et elle a pris l'autre chemin. Elle a pris cette route-là, par là. Bon, c'est, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, salut. Pardon, je cherche ma tante, l'as-tu vue? Tu cherches ta tante? Laquelle de tes tantes? Ce n'est pas celle qui va d'un mari à un autre. Tu peux d'abord arrêter ça. Pardon, tante, ne parle pas en mal de ma maman. Hey! Regarde-moi cette fille. S'il te plaît, tante, ne traite pas ma mère de ces mots. Je vois que tu es celle que ta mère a ramassée de l'extérieur, raison pour laquelle tu n'as pas de manière. Vraiment, tu n'as pas de manière. Pardon, pardon, bossé. Ne dis plus rien. Hein? Pour commencer, ce n'est pas bien de lui parler ainsi. Ce n'est pas bon, non? Hey, hey.
Tu dis que ce n'est pas bon. Mais ta tante va d'un homme à un autre. Et cela est bon pour toi. Continue de la chercher où elle est allée. D'ailleurs, je suis sûre qu'elle est dans la maison d'un autre homme. Hein? Elle est inutile. Écoutez-moi un peu ces bêtises. Une fille qui ne fait que coucher avec d'autres. Ferme-la. Ah. Tu ne fais que commérer de ta vie. Tu n'as même pas honte. Va-t'en. Ne prête pas attention. Idiote. Qui ne fait que dire de n'importe quoi. Calme-toi. Quoi? Ma tante, comment cela est arrivé? Non! Ma tante, dis-moi que ce n'est pas vrai! Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Tante Nashoma vient de m'appeler. Elle m'a dit que maman a disparu depuis des semaines. Et la grand-mère est morte ce matin seulement. Vieille femme, que son âme repose en paix. Ça va aller. Lève-toi. Lève-toi. Non, papa, laisse-moi un peu. Maman, réveille-toi, non. Allez, papa, réveille-toi, non? Réveille-toi, non? Maman, s'il te plaît. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est comme ça que tu me laisses. C'est comme ça. Réveille-toi. Hey! Réveille-toi. C'est comme ça que tu nous quittes. Réveille-toi, pour l'amour du ciel, allez. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, maman. Réveille-toi, non? Bonjour, messieurs. Christy, comment vas-tu? Je vais bien, messieurs. Messieurs, j'ai entendu ce qui s'est passé à grand-mère et j'en suis désolée. Pauvre femme. C'est malheureux qu'elle se morte de cette manière. Même si je n'espérais pas du tout qu'elle aurait tenu aussi longtemps. Étant donné le déshonneur que sa fille lui a fait. Que son âme repose en paix. Amen. Ok, monsieur. Eh bien... Christy. Monsieur. Je suis sûr et certain que tu as beaucoup de questions là dans ta tête. Ok. Tu peux les poser. Ok, messieurs. Désolée pour la question. Comment as-tu compris que Ayo est ton fils biologique et le fille ne le sent pas? En résumé, je t'ai supposé aller au Canada avec toute ma famille. Je suis sûr que tu le savais bien. Oui, monsieur. Et c'est parmi les exigences pour les visas que nous avons fait des tests ADN. Et voilà, on l'a fait. Et les résultats nous ont finalement dit que parmi tous les enfants que je pensais être miens, Ayo est le seul enfant qui m'est biologique. J'étais vraiment dévasté. Et cela m'a poussé à me demander jusqu'à quel point un être humain peut être méchant. Cela m'a vraiment déchiré le cœur. Oh, je suis vraiment désolée. Désolée. Non, monsieur. Non, c'est bon. Je suis désolée, monsieur. Ça va.
Monsieur, je serai là derrière. Très bien. Regarde-les en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas, mes bébés? Dites-moi, pourquoi tu es en train de pleurer? Hein? On veut voir maman. C'est pourquoi vous êtes en train de pleurer? Hein? Hey! Ok, levez-vous, hein? Venez. Levez-vous, hein? Écoutez, je veux vous trouver de quoi manger, d'accord? Je vais aller voir la cuisine. Ah! Mon frère, Ayo! Ayo! Comment vous allez? Que fais-tu là? Est-ce ton père qui t'a emmené? Où est-il? Non, il n'est pas là. Je suis venu de moi-même. Tu as retrouvé ton chemin par toi-même? Oui, bien sûr, je connais la route. Dis-moi, est-ce que vous n'avez pas eu de nouvelles de ma maman? Hey! Non! Ayo, nous n'avons rien trouvé, oh. Mais nous espérons que la police lui retrouvera bientôt. Alors t'inquiète. Tout ira pour le mieux. Mais nous devons appeler ton père, ok? Il est mieux placé pour aller la chercher. S'il te plaît, pour un moment, ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Hein? Où est-elle? Hé, hey, toi là, viens. Dis-moi, comment vas-tu? Ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais rester un peu avec vous, d'accord? Ah, nous étions déjà en train d'entrer pour chercher de quoi manger. Ayo, viens, donne-moi le sac. Puis après, nous allons trouver le moyen de contacter ton père. Montre-moi seulement la tombe de ma grand-mère. Je vais juste lui rendre mes derniers hommages. Pas de problème, j'ai très bien compris, ok? Seulement... Mais tu dois me promettre en disant que tu iras pour revenir. Tu appelleras ton papa. D'accord, et tu vas amener ton père. Ok, entre à la maison. Je vais vous trouver de quoi manger. Hum? Monsieur, il est introuvable dans toute la maison. Que veux-tu dire? Il est sûrement dans sa chambre là-bas. Non, monsieur, il n'est pas là. J'ai remarqué qu'il y a une de ses affaires qui ont disparu. As-tu regardé la chambre de sa mère? Bien sûr que je l'ai fait. Tiens, vous voyez maintenant que vous êtes joyeuse. Est-ce que c'est bon? Buvez lentement, attends, non? Ça c'est... Doucement. C'est tout ce que je pouvais amener pour elle. Qui est là? Venez voir ici! Mais là, c'est mon père. Ne lui dis pas que je suis là. J'arrive, oh! Bienvenue, monsieur. Papa! Je ne suis pas votre papa. Où est mon fils? Hein? Monsieur? Où est mon fils? Ton fils? Il n'est pas ici, oh. Il n'est pas ici. À qui est ce téléphone? Ayo! Je sais que tu t'es caché là-bas. Viens ici, maintenant! Ayo, sors de ta cachette maintenant! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment tu peux quitter la maison sans informer qui que ce soit? Et si quelque chose t'est arrivé en cours de route? Amène tes affaires, allons-y. Désolé papa, je ne vais aller nulle part. Ce n'est pas un débat que nous faisons. Amène tes affaires et allons-y. Papa, il faut que tu comprennes.
Il n'y a personne qui puisse prendre soin de mes petites sœurs. La grand-mère est morte. Et maman est toujours introuvable. Mais passez-moi leur grand frère ici, s'il te plaît. Elles ne sont pas tes sœurs. Ashioma est là pour prendre soin d'elles. Prends tes affaires et allons-y. Papa, moi je n'irai nulle part. On y va maintenant. Ramène tes affaires et rentre à la maison. Hé, hey, mon fils. Non, papa, laisse-moi. Papa. Allez, viens, viens, on y va. Papa, viens. Laisse-moi. Laisse-moi, papa. Laisse-moi. On y va contre la police. Laisse-le, papa. Laisse-moi. Papa, non. Laisse-le. Laisse-moi. Papa, papa, laisse-moi. Laisse-moi, papa. Hey. Ça va, hein? Ça va, ça va, ok. Allons nous asseoir, d'accord? Allons. Je ne suis pas sûre que je peux encore continuer, hein? Maintenant que je n'ai pas assez d'argent pour prendre soin de moi-même. Non, non, pour prendre soin de 4 enfants. Seigneur, c'est quel genre de responsabilité que tu me donnes? Hein? Qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai même pas un boulot. Ah, monsieur Emma. Bonjour, Ashima. Monsieur. Je venais juste chez toi, oh. Il a dit que tu venais chez moi à la maison. Mais oui, je venais te voir à la maison, non? Pourquoi? Y a-t-il un problème? Olima, pas vraiment, oh. C'est juste à cause de enfants de tantine Sylvia. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Olima, tu sais, depuis que leur mère a disparu, et que maman est décédée, c'est seulement moi seule Shioma qui prend soin d'elle. Et maintenant, j'ai dépensé tout l'argent que j'avais pour prendre soin d'elle. Tu vois maintenant que tout l'argent est fini, je me suis décidée de venir. Juste un peu pour aider les enfants de ton cousin. Tu sais, j'attendais très longtemps que tu viennes enfin me dire tout ce que tu dis là. Écoute, je suis prête à t'aider avec les enfants aussi. Mais d'abord, il faut que tu m'aides aussi. T'aider? Oui. Comment? Laisse-moi te dire. Depuis que ma femme m'a quitté, je suis resté tout seul. Et tu sais que ce n'est pas bon pour un homme de rester tout seul. Tu me comprends, n'est-ce pas? Hein? Ah, sure. Qu'est-ce qui ne va pas? S'il te plaît, oncle Emma, tout ce que tu viens de me dire maintenant, y a-t-il un rapport avec ce que je t'ai dit? Toute chose. Toute chose, oh. Laisse-moi te dire. Dans ce pays-là, il n'y a rien pour rien. Mm-hmm. Je suis même prêt à te donner l'argent pour que tu commences même un business pour aider les enfants. Mais d'abord, il faut que tu me donnes d'abord ce que je te demande là. Mon corps? Oui, bien sûr. Pour quel problème? Suis-je en train de me vendre? Regardez-moi cette femme. Comment tu me demandes si tu l'as apportée pendant que tu l'as ici avec toi? Bien sûr, tu l'as ici avec toi. Bon, je comprends. La chose est ici que... Allons à la maison. Peut-être que tu vas, hein, pratiquement comprendre ça. Allons-y. Pratiquer? Oui. Oncle Emma? Donc tu veux dire que je vais premièrement coucher avec moi? Exactement. Avant de venir en aide aux enfants de ton cousin. Ton propre sang. Et qu'y a-t-il de mal? Ici, c'est donnant-donnant. Ah, si tu veux que je t'explique encore, c'est du donnant, donnant c'est comme ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Moi je n'arrive pas à comprendre. Tu me demandes d'aide, je te dis ce qu'il faut faire pour que je t'aide.
Un petit prix comme ça. Oncle, pourquoi je t'appelle d'ailleurs oncle? Tu n'as même pas l'apparence de quelqu'un qu'on peut appeler oncle. Parce que tu es inutile. Entends? Je pensais que tu étais un homme responsable, malade, homme inutile. Dégage, idiot. Il n'a même pas honte. Il me demande cela. Regarde-toi, idiot. De toute façon, c'est comme tu veux. Seigneur, ne dis pas que j'ai essayé. J'ai fait de mon mieux. Je ne peux pas accepter de mourir pour des enfants qui ne m'appartiennent même pas. Je ne me battrai plus. Plus encore. D'ailleurs, j'abandonne. Elles doivent retourner auprès de leur père. Je n'en peux plus. C'est vraiment ce que je dois faire. Elles doivent retourner chez leur père. Hey! Ceci n'est pas bon. Hein? Voyez-vous maintenant? Regardez ces très beaux enfants. Comment il a pu les abandonner comme ça? Il n'aurait pas dû le faire, non? Hein? Je n'en peux plus. Je n'en peux plus vraiment. Je suis fatiguée. Ok. Ce que je dois faire ne peut pas attendre. Nous sommes maintenant arrivés. J'arrive. Bienvenue. Merci. Où est le patron? Le patron? Le patron va bien. Ok. Dis-lui que nous sommes ici, hein? Je ne suis pas sûre qu'il voudra vous voir. Désolée. Oui, Ayo, fais vite. Nous devons... Hey. Bon après-midi, monsieur. Papa, papa! Hé! Que se passe-t-il ici? Pourquoi tu as amené ces choses ici dans ma maison? Monsieur, je suis désolée. Je suis désolée de ne pas vous avoir informé en avance, mais je n'ai pas eu d'autre option. J'ai vraiment essayé. J'ai fourni mes efforts pour nourrir ces enfants. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai fini tout mon argent. Je ne peux pas les laisser souffrir. Alors je suis décidée de les ramener auprès de leur père. Moi, je ne suis pas leur père. Hey. Il faut les emmener auprès de la famille de leur mère. Monsieur, j'ai essayé, mais je n'ai trouvé personne. Partout où je vais, personne ne leur vient en aide. Amène-les partout où tu voudras. Elles ne peuvent pas rester ici. Hmm? Parce que c'est ici la maison de leur père. Vous devez déjà entrer. Pourquoi vous attendez même la permission? Que tout dans ta chambre. Hey. Dans ta chambre, vite! Je ne vais nulle part. Elles sont mes sœurs. Laisse-les entrer. Je veux qu'elles sortent ne de ma maison pas immédiatement. Ça, non, hein? Vous vendez sortez de ma maison, vous toutes. Non, non, ne faites pas sortez. Ça. S'il vous plaît. Hein? Et toi, attends là. Sois très prudent. Allez, vas-y là-bas. Papa. Monsieur, je t'en prie. Sortez non, de chez monsieur, moi. Je t'en prie, non. Sortez. Ne faites pas prenez ça, vos sacs. Non. S'il sortez d'ici. Sortez d'ici. Monsieur, je vous en supplie, non. Sortez. Viens. N'ose plus jamais les amener ici dans ma maison. Sortez d'ici. Hé, hey, Elijah! Où est cette stupide sentinelle? Elijah! Si je le vois encore ici, dans cette parcelle, tu veux te chasser d'ici. Sortez maintenant! Dehors! C'est vraiment triste. Ashioma, cet homme-là est vraiment sans cœur. Cet homme-là est vraiment sans cœur. Mais attends. Ashioma, pourquoi tu n'es juste pas venu me chercher, me dire que tu avais besoin d'argent? Tu sais, je te l'aurais bien donné si seulement tu m'avais demandé.
Je ne voulais pas vraiment te déranger avec nos problèmes. Ah. Arrête de dire que tu allais me déranger avec vos problèmes. Assure-moi, je t'ai plusieurs fois dit que je suis toujours prêt à tout faire. Tout pour te prouver l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime. Maintenant, tu dis que tu peux m'aider sans pour autant demander mon corps. Écoute ça. Assure-moi, tu commences à dire n'importe quoi. Tu commences à dire n'importe quoi. Je veux dire, qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre tous ces temps? Que je veux que tu sois à moi. Et tu sais, quand tu es à moi, directement toutes ces choses, automatiquement, tu es à moi. Hey! Je le savais depuis longtemps. Je comprends ton point de vue. Je comprends maintenant de quel amour que ta bouche parle. Je savais que ça finirait comme ça. Toi, Abidele, je ne te comprends pas. Non, assure-moi. Non. Ce n'est pas ce que je veux dire en réalité. Écoute, assure-moi. J'essaie simplement de te faire comprendre que je suis prêt à tout faire pour te prouver l'amour que j'ai pour toi. Je t'aime vraiment. Assure-moi, tu sais que je t'aime. Tu le sais. Je sais que tu me désires. Mais tu vois, mais le vrai problème n'est pas mon corps. Ce sont mes problèmes pour l'instant. Alors, c'est quoi le problème? Mais ce sont ces filles, non? Toutes. Les filles? Oui. Tu prendras soin d'elles. Oh mon Dieu. Assure-moi, mais qu'est-ce que je viens de dire tout de suite là? Je vais prendre soin de ces filles-là. Si elles sont le problème, je le ferai. Hein? Oui. Tu prendras soin d'elles? Ah, je le ferai à Shoma. Mais t'inquiète pas, je prendrai soin d'elles. Hein? J'ai une idée. Nous pourrons faire à ce que quelque chose se passe. Pourquoi vous avez arrêté la musique? Pourquoi? Vous savez, je ne savais jamais que vous pouviez danser ainsi. Oh, bravo. C'est merveilleux. Dansez encore un peu pour moi. Wow. Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Oh, Asioma. Est-ce que tu sais que ces filles sont de merveilleuses danseuses? Est-ce que tu sais que ces filles peuvent bien danser? Elles dansent? Oui, je te dis. Elles dansent très Attendez. Bien. Attendez. Donc, vous savez danser? Oui, nous dansions à l'école. Maintenant, dansez pour moi, hein? Dansez pour Tantine. Je veux bien regarder aussi. Non, c'est merveilleux. Hey. C'est vraiment très merveilleux. Ah! Hey! C'est vraiment merveilleux. Je viens à peine de poster cette vidéo sur internet, mais ça a déjà 2000 vues. Non, ça c'est très bien. Non, ça c'est vraiment merveilleux. Ah! Aucune de mes vidéos n'avait atteint ce nombre de vues sur YouTube avant. Waouh, ces filles sont de vraies matières premières. De vraies matières premières. Il faut que je continue comme ça avec ces filles-là. Ah, voilà les vues. Ah, quand je regarde même les commentaires, c'est comme si les gens sont en train de voir ces vidéos chaque seconde. Waouh. Hey, les enfants. Comment allez-vous? Bienvenue, maman. Bienvenue, maman.
Qu'est-ce qui se passe? La police ne l'a pas encore retrouvée. Pas encore une bonne nouvelle, hein? Mais ne t'inquiète pas, nous allons la retrouver. Hmm? D'accord, tante. Mais où est notre maman? Nous a-t-elle abandonnée? Hey! Prête à l'eau. Non! Hein? Votre mère ne vous a pas abandonnée. Hein? Elle reviendra très bientôt et elle répondra à toutes vos questions. Hmm? Alors approchez. J'ai faim. Et beaucoup. Je savais que vous deviez avoir faim. Alors j'ai gardé le peu d'argent que j'avais pour vous acheter le gari et du cacahuète à la boutique. Je n'ai pas besoin de gari, je veux manger nouilles. Ok, hein? Ne vous inquiétez pas, hein? Je vais te donner beaucoup de spaghettis et œufs. Mais premièrement, vous allez d'abord manger ce gari et cacahuète. Après quoi, vous mangerez les œufs, hein? Alors entrons manger. Et après ça, notre grand-mère préfère les œufs. Allô, grand frère Ayo. Grand frère, les choses ne sont pas faciles ici. Non, nous avons mangé le curry ce matin. Tantine avait gardé un peu d'argent et maman ne s'est fait pas voir. Nous allons bien. Ebuka a beaucoup pleuré cet après-midi, mais on n'avait pas d'argent pour lui acheter des nouilles. Ok, grand frère, prends soin de toi. Je vais parler. Garde les couteaux, d'où vais te parler. Allô, grand frère? Je n'arrive vraiment pas à croire que mes petites sœurs prennent du gari pour le petit déjeuner. Non, ça ne peut pas continuer. Il faut que je fasse quelque chose pour ça. Mais qu'est-ce que je peux faire là? Oh mon Dieu, aide-moi s'il te plaît. Oh. Ce n'est pas facile pour nous, je te dis. Ce n'est pas facile. Oui, je comprends. Non, mais c'est bon. Alors, comment vont les enfants? Est-ce qu'elles ont quelque chose à manger? Oui. Ils ont bu le gari pour le matin. Quoi? Assure-moi, tu leur as donné le gari pour boire. Ah! Pourquoi tu étais-tu comme ça? Assure-moi, pourquoi tu n'es simplement pas venu me demander l'argent? Je te l'aurais donné assez d'argent pour que tu prennes très bien soin de ces enfants. Assure-moi, dis-moi seulement oui. Dis-moi seulement oui. Et toi et ces enfants-là, vous aurez le monde à vos pieds. Dis-moi seulement oui, Ashoma. Ha. Alors je suis obligée de sortir d'abord avec toi, juste parce que j'ai besoin d'aide. C'est ce que je dis ton amour, non? Assure-moi, ce n'est pas comme ça que je le veux. Ce n'est exactement pas comme ça que je le veux. D'accord? Et il faut seulement que tu saches qu'il y a une limite dans ce que je peux faire pour quelqu'un qui n'est pas ma petite amie. Assure-moi, tout ce que je te demande de faire, c'est de me dire oui. Assure-moi, je te promets que je vais résoudre tous les problèmes que tu as. Crois-moi. Bon, moi, je m'en vais déjà. Donc, je vais vous chercher quelque chose. Hein. Ok. Assure-moi. Débrouille-toi avec toi, prends soin de tes enfants et de toi-même, d'accord? Merci. Non, merci. Il n'y a pas de quoi. Bon, je pense que nous allons nous voir plus tard. Ok. Prends soin de toi, d'accord? Merci. Prends soin de ces enfants-là, n'oublie pas, s'il te plaît. Bye d'accord, bye. À plus. Allô? Ayo! Tu nous as envoyé de l'argent? Où as-tu trouvé cet argent que tu nous as envoyé, non? Hey, Ayo! Tu l'as vraiment fait? Tu es sûre que c'était dans tes économies, Ayo? Je ne veux pas que tu puisses te quériller avec ton père, oh. Hein? Ok. Ok, merci, hein. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, Ayo. Que Dieu te bénisse, hein? Ne t'inquiète pas, je vais me rassurer de faire une très bonne cuisine. D'accord, merci. D'accord, bye bye.
Bye bye. Hey. Ce petit garçon a vraiment de sens. Bonsoir. Ah, Bami Dele, comment vas-tu? Je vais bien. Je t'amène ici chez moi. Ah, souhaite-moi d'abord la bienvenue, non? Pourquoi devrais-je t'accueillir? Ami Dele, je suis venue t'inviter à une fête. Ma soeur s'est mariée, alors son mariage va se dérouler à Djibouti. Raison pour laquelle je veux que tu ailles avec moi. Désolée, mais je ne peux pas participer à cette fête. Ah, Ami Dele, je serais vraiment contente si tu m'accompagnais à cette fête. Pardon. Écoute-moi, bossé. J'aurais bien voulu être là. Mais je ne peux malheureusement pas venir à cause de ma petite amie, j'espère que tu comprends. Je veux dire, comment nous allons nous sentir si nous voyageons tous ces longs chemins ensemble, nous deux? Je ne peux pas bosser. Hein? Bah, Médélé, donc c'est à cause de cette fille que tu as changé tes idées pour ne pas m'accompagner à la fête? Tu sais, Bah, Médélé, ce que tu fais n'est pas gentil. Ce n'est pas du tout bon. Pas de problème alors. Est-ce que je ne peux pas entrer? Allons à l'intérieur pour que je puisse me rafraîchir. Et pourquoi? Pour rien du tout. Je veux juste boire avec toi et j'espère que tu as quelque chose à boire à la maison. Allons à la maison, nous allons nous détendre. Arrête ça, bosser, mais c'est quoi cette folie-là? Ce n'est pas la folie, c'est l'amour. Bami Deleo, beau garçon. Arrête-moi ça, je n'aime pas ça. Je ne trouve plus intéressant. Bami, attends, on fera un petit truc. Je sais que tu aimes des petites choses. Allons à l'intérieur et tu verras ce que j'ai sous mes vêtements. Ah, ça, bosser, c'est que c'est le patron, hein? Qui est sous ma maison maintenant? Où vas-tu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? J'ai entendu dire que je peux entrer dans ta maison. Je t'ai demandé de quitter ma maison. Je t'ai dit sur le point de sortir, s'il te plaît. Sors, je te regarde. Je pars. Est-ce que tu peux t'en aller d'ici? Je veux plus voir tes sales pieds ici, s'il te plaît. Je suis douce. Douce, plus que même cette fille. Mais c'est quoi tout ça? Entre et tu verras. Où vas-tu? Oh mon Dieu. Bon, c'est va-t'en, s'il te plaît. Va-t'en. Va-t'en. Bamidele, tu me chasses de chez toi juste parce que je suis venue t'inviter à la fête de ma sœur. Je t'ai demandé de partir. Ah! Hey, Dele. Oh, salut toi. J'ai apporté un petit rien ici pour les enfants. Hey! Tout ceci. Hey! Non, c'est rien, c'est rien. Les enfants, venez! Venez. Venez saluer l'oncle et regardez ce qu'il nous a apporté. Venez, regardez. Merci, oncle. Oh, hey! Oui. Merci. Je vous salue, mes amis. Je n'ai pas beaucoup de temps, chemin. J'ai beaucoup aimé la vidéo que tu m'as envoyée hier. Oui, mais la qualité n'était pas très bonne. Alors, je veux que les enfants fassent encore cette danse. Comme ça, je prendrai la vidéo avec mon propre téléphone. Ah, pas de problème. Elles se rappellent de tout ce qu'elles ont fait avant. Souvenez-vous de tout ce que nous avons fait dans la vidéo. Elles les feront bien, bien. Venez d'abord m'aider à mettre toutes ces choses à l'intérieur, s'il vous plaît. Aidez-moi à le faire entrer à la maison. Entrez d'abord avec vos histoires, comme ça nous allons... Ça, je sais. Ok, entrez. Doucement, mes amis. Soyez trop prudente avec ça, surtout celui-là, s'il te plaît. Ayo. Qui a pris l'argent dans ma garde-robe? C'est moi qui l'ai pris. Pourquoi? J'avais urgentement besoin d'argent. Urgentement. Et pourquoi? Je demande pourquoi. Ah. Papa, mes soeurs mouraient de faim là-bas. Alors je devais leur envoyer un peu d'argent. Comment oses-tu envoyer mon argent à ces filles bâtardes? Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone. Donne.
Je vais voir comment tu vas encore communiquer avec elle. Tu es un idiot. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? C'est son verre qui lui est glissé de main par erreur. Ne me mens pas. Tu as cassé mon verre parce que je t'ai ravi le téléphone. Viens là. Viens là. Viens là, jeune homme. Je vais t'enseigner une leçon. Va là-bas. Papa, va là-bas. Papa, on y va. Papa. Idiot. Tu es vraiment un idiot. Idiot. Comment tu peux faire ça? Hein? Je sais pas, tu comprends pas. Idiot. Hey, bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Comment vas-tu? Salut ma chère. Asioma, voici la fille dont je t'avais parlé. Ok, la fille que tu enseignes la danse, n'est-ce pas? Exactement. Ça avance. Oui. Le promoteur du spectacle a montré beaucoup d'intérêt pour les filles, tu sais. Et il veut qu'elles commencent à faire toutes sortes de danses. Il veut que les filles continuent vraiment à danser comme ça afin que les gens n'arrêtent pas de montrer l'intérêt pour les filles. Hey, c'est merveilleux, non? Le vrai problème est que où vais-je trouver de l'argent pour leur acheter des vêtements? Non, ça ne sera pas un problème. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Je vais régler ça. Hey, je vais avoir le matériel. Mais je crois que ça va aussi être très important de donner un très beau nom aux filles, tu vois, comme une marque. Les noms? Mais si tu as un nom à leur donner, fais-le, non? Oh. Bon, attends, je vais essayer de trouver. Je ne sais pas si ça va bien sonner dans tes oreilles. Les trois fantastiques. Les trois fantastiques? Fantastiques? Hey! Oui. Tu sais que les filles sont fantastiques. Oui! Ces noms leur va très bien. Vraiment? Les trois fantastiques. Hey! Merci et que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour mes filles. Ah, je n'ai pas besoin de me remercier. J'ai fait tout ça pour l'amour que j'ai pour toi. Très bien, va leur préparer les filles. D'accord, merci. Parce qu'ils doivent déjà commencer les répétitions. Tout ça. Attendez-moi, je reviens. En fait, tu as déjà beaucoup de pas de danse avec toi, c'est ça? Mettez le pied au même endroit. Bon, essayons de changer une autre position. Essaie encore. Ok. Hey, désolée. Tu ne peux pas faire doucement. Ah, ça va. Doucement, non? Oh, mais pourquoi elle tombe comme ça? Pourquoi elle tombe comme ça? Mais pourquoi elle est en train de tomber comme ça? Hein? C'est quelque chose qu'elle doit prendre au sérieux, mais elle danse comme si elle a des jambes d'un petit bébé. Hein? Mais c'est quoi ça? Pourquoi tu cries sur elle, non? Hein? Pourquoi tu cries sur elle? Elles sont venues depuis le matin. Depuis le matin. Elles ne faisaient que danser. Elles n'ont même pas eu un peu de temps pour se reposer. Qu'est-ce que tu as leur donné? Non, assieds-moi, dis-moi pourquoi je vais leur donner du temps. Dis-moi. Elles doivent travailler pour faire des vidéos de qualité afin que je voie la personne qui va leur faire du contenu. Mais voilà comment elles tombent ici. C'est tout ce que nous allons faire. Tu veux qu'elles meurent, hein? Tuez-leur parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de les aider. Je t'en prie, mes filles ne sont pas des robots. Ce sont des humaines. Elles doivent se reposer. Donc c'est comme ça que tu me parles maintenant? Non, après que j'ai mis toute ma sueur et tout mon argent que je gagne difficilement pour que ces filles aient un marché international et c'est maintenant comme ça que tu te permets de me parler, c'est ça sûrement? Ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Comme ça, je vous laisse comme ça faire toute seule. Moi, je m'en vais. Je ne ferai plus ça. Non. Attends, écoute. Hein? Oh, s'il te plaît. Ah. C'est quoi tout ça? Et toi, là, va chercher tes affaires là-bas et nous allons partir d'ici. On ne peut vraiment pas blaguer avec toi, hein? Juste une petite blague et tu t'es fâche. Que les fâches, mais cette fois-ci, oh. Levez-vous, hein? Que travaille, mais cette fois-ci, oh. Moi, je ne veux plus le voir tomber ici, oh. Ah. Est-ce que vous savez ce que j'ai mis dans ces filles-là? Pardon, non? Hein? J'ai beaucoup transpiré pour ça. Hein? C'est bon. Hein?
Sylvia. Sylvia. Hein? Sylvia. Hein? Sylvia. Tokumbo, même si tu ne veux pas aider ta femme, aide-la pour l'amour de Dieu ou pour le bien de ton fils. Ne penses-tu pas ce que les gens vont dire? Tu veux qu'on indexe ton fils comme le fils d'une femme qui est folle? Laisse les gens dire tout ce qu'ils veulent, je m'en fous. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, moi, je m'en fous. Cette femme la paye pour ses péchés. S'il te plaît, il faut la laisser comme ça. Oh mon Dieu. Ceci ne te ressemble pas du tout, Tokumbo. Mais qu'est-ce qui t'arrive comme ça? Kunle, je t'ai bien dit que je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit qui concerne cette femme. Et si c'est tout ce dont tu es venu me parler ici, je suis désolé. On arrête là. Tu ne me demandes pas de quitter ta maison, j'espère bien. Mais c'est quoi avec toi là? Garde bien les ballons. Ah. Regarde ça. C'est vraiment une honte pour toi. Waouh. Déjà 2 millions de vues pour la vidéo que j'ai mise en ligne seulement il y a 2 jours. Non. Ces filles sont vraiment une grande chance pour moi. Waouh. Je dois un cadeau à chacune d'elles. Oui. Maintenant, il faut que je fasse aussi très vite avec Ashima. Je vais lui demander de m'épouser afin que j'ai un accès libre aux enfants. Oui, c'est ce que je dois faire. Oui. Cette voiture appartient à qui? C'est ma nouvelle voiture. Menteur, qu'est-ce que tu dis? Ah! Mais c'est ma nouvelle voiture, je t'ai dit, Ashoma.
Où as-tu trouvé de l'argent pour te payer cette voiture? Dans mes petites activités que je fais pour avoir l'argent. Qu'est-ce que tu veux dire par toi-même? Je sais que j'avais fait un deal qui m'a donné cet argent. Et maintenant, ce deal a finalement réussi, tu vois. La première somme que j'ai reçue de ce deal, c'est 10 millions de naira. Hein? 10 millions de naira? Ah oui, tu m'as bien entendu. Lélé, attends, quel genre de deal as-tu fait? Seulement mes deals de pétrole et de gaz. Pétrole et gaz? Oui, pétrole et gaz. À chemin. Écoute. Hein? En fait, j'ai remarqué que c'est toi qui es vraiment une chance pour ma vie. Alors, j'ai décidé de passer tout le restant de ma vie avec toi. Hey! Hein? En tout cas, la chance est de ton côté, oh. Hein? Hey! Écoute-moi ici. Épouse-moi, s'il te plaît. Épouse-moi et passons tout le restant de nos vies ensemble. S'il te plaît. Donc tu as dit oui? Oui. Bon, dès que nous aurons fini tous les préparatifs, après le mariage, toi et les enfants viendrez rester avec moi là-bas à la maison. Et nous formerons une famille. Tu sais, ce n'est pas bon. Ce ne serait pas bon que je vienne habiter chez toi maintenant. Tu sais... Ne t'inquiète pas. Pensons premièrement au mariage. Ne t'inquiète pas pour ça, ça ne sera pas un problème en tout cas. Je vais arranger ça rapidement, hein, pour que vous n'ayez pas de problème. Pour que toi et les enfants veniez vivre à la maison et soyez très à l'aise. Comme mari et femme, nous allons former une belle famille. Femme de ménage. Oh, donc tu m'appelles femme de ménage, hein? Merci, je suis une femme de ménage. D'ailleurs, tu sais quoi? Le même homme pour qui tu veux mourir. Regarde, regarde, regarde bien, je te dis. Quoi, c'est ça le métal? Regarde, c'est ce qui arrive quand un homme ne t'aime pas. Lorsque tu ne plais pas à un homme, comment je vais l'appeler? Ton amoureux, Marie-Miss Ceci. Regarde ma bague. Dans sa maison ce matin. Parce que je suis sexy et belle, pas comme les autres. C'est vrai? Attends. Tu veux dire que Mamie Delta t'a proposé et t'a mis la bague au doigt? Es-tu aveugle? Ma chère, est-ce que tu es aveugle? Regarde, regarde. Il a demandé ma main. Hé, hey, mensonge. Tu n'es qu'une menteuse. Et tu te crois vraiment jolie, hein? Mamie Néné n'est pas en aucun jour t'a demandé un mariage. Alors tu t'es fait coquine parce qu'on t'a demandé un mariage. Hey! N'importe quoi. Regarde, tu sais, un jour, tu mourras à cause de la jalousie. Tu t'es trompé, mon ami. Bami Délé même. C'est pourquoi il veut m'épouser. Hey, ya. On a toujours dit que les petits enfants confondent les médicaments à bout d'avec toutes sortes de légumes. Tu parles de quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu ne m'as pas entendu? J'ai bien dit que les petits enfants confondent les médicaments qu'on appelle à bout de légumes. Et tu sais... Laisse-moi te dire ceci. Obama Idélé ne veut pas t'épouser parce qu'il t'aime. Il veut juste t'épouser parce qu'il a besoin de t'utiliser toi et les enfants pour lui trouver de l'argent. Hein, vraiment? En quoi cela t'intéresse même? On n'est même pas certain qu'il va t'épouser. Écoute, hein, tu es en train de dire de bêtises. Obama Idélé m'aimait quand je n'avais encore rien. Écoute, si tu prends ce que je te dis pour du n'importe quoi, hein, alors ne prête pas attention, fais comme si je n'ai rien dit. Hein? Je ne t'ai rien dit du tout. Donc tu ne sais pas que cet homme est en train de faire de l'argent à cause de tes petites filles. Tout ce qu'Abami Délé est en train de faire, c'est de poster des enfants. Il est posté sur YouTube. J'espère que toi aussi tu connais YouTube. Je sais que toi aussi tu ne connais pas YouTube. Hey, regardez-la moi. Elle ne sait même pas parler français. Ce n'est pas YouTube. C'est YouTube. On dit YouTube. Tu connais YouTube. Hey. Tu connais YouTube, mais tu dis toujours... Bami Délé prend des vidéos pour les envoyer sur YouTube. Alors je vais te prodiguer un conseil. Comme une bonne personne que je suis. Quand tu iras à la maison, va sur Internet et recherche... Le 3 fantastique. Va et recherche le 3 fantastique
et tu verras que Bami Dele a posté plusieurs partout sur internet à cause de cette bêtise qu'il a mise sur son toit. Enlève, tu n'es qu'une menteuse. Jalouse. Tu es en train de rêver. Vas-y. C'est la jalousie. Va rechercher sur internet fantastique, blablabla. Fantastique, n'importe quoi. La honte. Va rechercher fantastique, n'importe quoi. J'espère que ce n'est pas vrai. J'espère que ce n'est pas vrai. Mais fantastique. Je vais aller vérifier. Je dois vérifier cette information. Hein? Regardez-moi ces gars. Donc ces gars s'est déjà fait de l'argent pour cette vidéo. Cet homme veut vraiment jouer avec moi. Il ne peut pas se jouer de moi comme ça. Hein? Regardez. Regarde. Hey! Bami Dele. Bami Dele. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Méchant. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver, je te dis. Prends cet appel. Méchant. Mauvais cœur. Hey! Je vois, il ne veut pas répondre. Réponds. 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 Idiot. Sors de là! Chérie. Sors de là! Ah, c'est les chéris, c'est comment? Idiot, tu croyais que tu allais me cracher? Je t'ai eu. Je ne comprends pas. Tu es vraiment un 419 tricheur. Regardez-le. Et c'est à moi que tu parles comme ça. De quoi parles-tu? Je ne veux pas t'écouter. Mais qu'est-ce que... Tu es un voleur. Un voleur. Tu prenais de l'argent par YouTube. Maintenant, je ne comprends pas. D'ailleurs, en ce qui concerne mon argent, nous allons le partager 50-50. Tu ne vas pas me le prendre. L'argent que tu as gagné par ce business, tu vas me le... Assure-moi, calme-toi un peu, nous sommes en public ici. C'est notre argent que tu as utilisé pour acheter toutes ces choses. Laisse-moi te le dire maintenant, hein? Si seulement tu n'amènes pas cet argent afin que nous le partageons à part égale, tu verras ce que je vais te faire. Assure-moi, nous sommes en public et c'est d'ici que tu m'embarrasses comme ça. Tu parles de quoi? N'as-tu jamais été embarrassé? Mais calme-toi. Donne-moi ceci. Hein? C'est par mon argent que je l'ai acheté. Donne-le-moi. Voleur, tu n'es qu'un voleur. Heureusement, si tu ne m'amènes pas mon argent, tu verras de quel bois je me chauffe. Prends ta bague, je ne peux pas épouser un voleur. Voleur, que le feu te consume. Bossé. Tu calmes. Sors ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment vas-tu, non? Bossé, qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Bossé, n'ose pas jouer avec moi, je te demande encore. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme, dis-moi? Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que tu ne veux pas vraiment l'épouser. Que tu utilises son argent pour ton propre intérêt. Bossé, mais pourquoi tu as pu faire ça? Dis-moi, est-ce que tu sais ce que ça m'a coûté d'ouvrir ta bouche aussi stupide? Bami Dele, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Qui est stupide, s'il te plaît, ne m'insulte pas. Je ne vais pas seulement t'insulter. Je vais t'étrangler jusqu'à mourir. Je vais t'étrangler jusqu'à la mort. Parle encore. Je l'avais dit que la vérité, non? Bossé, sors ici. Bossé. Sors de là! Héros! Je dis sors d'ici! Assure-moi, depuis longtemps je t'appelle au téléphone mais tu ne réponds pas.
Asuma, pourquoi tu fais ça, dis-moi un peu. Pourquoi tu m'appelles? Asuma, écoute-moi. Comme nous savons déjà, quel est le problème? Il n'y a plus d'importance que nous continuions à nous chamailler de cette manière-là. Je suis venu seulement pour que nous essayions d'arranger nos différends, tu vois ça? Tu vois, parce que les trois fantastiques, le monde entier connaît les trois fantastiques. Tout le monde les connaît aujourd'hui. Elles sont connues aujourd'hui partout. Les gens les suivent et regardent leurs vidéos sur YouTube. Hein? Et en plus, ça fait un peu de commencer. Et ça ne doit pas finir juste comme ça. Alors s'il te plaît, moi, je ne pense pas à ce problème. Je suis venu pour que nous arrêtions avec tout ça. Si tu ne veux plus le mariage, alors nous allons oublier le mariage. Mais en ce qui concerne l'argent, nous allons finalement le partager. Comme ça, moi, je prendrai même 70%. Et toi, tu vas prendre les 30%. Le business se passe un peu bien. Tu m'as compris? Dele, tu es malade. Tu as vraiment perdu ton sens. C'est ma première fois de voir un homme comme toi devenir fou. Tu m'entends? Tu n'as pas honte. Donc après tout ce que tu as fait, tu as le courage de venir devant moi et me dire des sottises. Écoute, Bami, il n'y a aucun besoin. Je n'ai rien contre toi, mais tu vas souffrir avant de mourir. Voleur, tu nous as utilisés, mais pas de problème. Pas de problème. Mais tu sais la connaissance que tu as sur YouTube. Moi également, je l'ai. Donc c'est de cette manière que tu veux que nous en finissions? Bien sûr. D'ailleurs, pour qui me prenais-tu? D'ailleurs, écoute, maintenant, je suis leur manager. Et d'ailleurs, tu peux prendre ta chaîne YouTube. Détruis-la si tu veux, hein? Va chercher ce que tu mettras dedans. Nous avons maintenant notre propre chaîne. Bon, ok, Asuma, écoute, nous allons faire ça comme ça. Moi, je prendrai les 30%. Et toi, tu prendras les 70% alors. Tu es vraiment un voleur. C'est 0% que tu auras. Ok, je prendrai 9 alors. Assume 1% alors, 1%, je t'en supplie. Même si je vais encore contribuer avec les idées, c'est pas un problème. 1%, je vais prendre. Hein? Mais ha! Ha! Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce qui se passe maintenant? Ça, c'est la femme de mon frère. Et c'était toi leur médecin pendant toutes ces années. Voilà pourquoi j'étais impliqué. Je crois que tu es dans la meilleure position pour me dire ce qu'il faut faire. Je pense que nous devrions rentrer à l'hôpital. Nous allons y réfléchir là-bas. Tantine. Oui, ma chère. Ne nous abandonne pas comme oncle Babi Dele nous a abandonnés. Non, ma chère, je ne vais pas vous abandonner. Votre tante et moi avons déjà parlé de ça. Je ne fais que faire mon travail. Tout ce qui me paie, je le fais. Ok. D'accord. Ah oui, c'est vraiment le modèle, hein, avec une condition. Toc, toc. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bah c'est calme-toi, non? Je ne suis pas venue pour me battre. Je suis venue pour parler affaires. Affaires? Moi et toi parler de business. S'il te plaît, je suis pas intéressée. Je pense que c'est vraiment important que tu puisses l'écouter. Il se peut que ce soit intéressant. Écoute là, ok? Écoute-moi d'abord. Premièrement, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait pour les filles et moi. Parce que tu m'as ouvert les yeux de savoir qui est vraiment Dele. Et pour cela, je veux faire un contrat avec toi. Contrat? Mais oui, non? Nous allons signer un contrat maintenant. Et c'est d'ailleurs quel genre de contrat? Écoute, je veux être un designer officiel pour mes filles. Toi, tu vas commencer à leur confectionner leurs vêtements avec de jolies couleurs. Belles modèles, jolis tissus, de très beaux vêtements. Tu sais que tu es la seule qui m'a donné cette information de ce qui me donne l'argent aujourd'hui. Hé? Alors, il serait mieux que tu nous suives pour jouir de bénéfices du travail de nos mains. Maintenant, tu peux voir que je suis une bonne personne. Mais tu disais que j'étais jeune. Écoutez, moi j'ai pensé que toutes ces choses qu'on faisait étaient pour l'énerver. Mais vous voyez, ça ne l'énerve même pas. Elle est bien avec ses enfants. Tu vois maintenant? Attends. Tu veux maintenant m'insulter? Tu devrais d'abord m'envoyer une invitation pour me dire que tu veux m'insulter. Calme-toi, ce n'est pas du tout ce que tu crois, hein? Calme-toi. Hein? Je n'ai rien à dire. Juste merci.
Bah, c'est... J'attends ta réponse. Que veux-tu que je dise, oui ou non? J'ai pensé que j'allais dire non. Non. As-tu déjà vu une personne dire non à l'argent? Ma chérie, je suis à ton service. Hé, hey, tu aimes l'argent, n'est-ce pas? Donc, nous allons commencer par de très beaux vêtements et beaux tissus avec de jolis modèles. Ne t'en fais pas, il y a plusieurs modèles dans le téléphone. D'abord, l'argent... Hey, bravo! Bien joué, tape là! Allez! Venez là! Vous êtes jolie! La prochaine chose à faire est de vous poster sur YouTube et nous aurons 10 millions de naira! Exactement! Hey! Mes bébés! Waouh! Vous êtes vraiment formidable! Votre vidéo a déjà 1,9 million de vues! 9 millions? Beaucoup comme ça dans peu de temps. Hii, le 3 fantastique. Yay! Je souhaite que maman puisse voir tous nos tutoriels. Je souhaite à ce qu'elle voie combien nous sommes devenus populaires. Écoutez, regardez-moi. Je vous assure, partout où se trouve votre mère présentement, elle doit être vraiment fière de vous. Et elle vous le dira d'elle-même lorsqu'elle reviendra. Hein? Hein? D'accord, mettez-moi un joli sourire dans ce beau visage que je vois maintenant. Ouais! Alors nous sommes devenus des millionnaires maintenant. Merci, tantine. Merci d'avoir pris soin de nous comme si nous étions tes propres enfants. Ah ah, chéché. Mais vous êtes mes enfants, non? Ok. Vous êtes mes enfants, n'est-ce pas? Ok. Alors pour la prochaine danse, quelle couleur choisissez-vous? Mauve, bleu, mauve, pourpre. Pourpre, c'est la meilleure de couleurs. Bleu. Une autre encore. Mauve est la meilleure de couleurs. Ok, nous allons utiliser le bleu, le pourpre, le vert et toutes les couleurs. Nous allons s'y arranger, monsieur. Nous allons te faire un joli modèle. Juste avant de commencer, je vais te faire le postiche, mettre du gel. Pour tous les jours. Venez regarder ça. Hey, regardez comment vous dansez.
Arrête de me suivre. Si tu continues à me suivre, je vais crier voleur, voleur. Alors okay, tout le monde attendra cela. Voleur que tu es, ne me supplie jamais. Grand voleur. Écoute-moi bien, c'est toi qui es mon manager et je m'attends à ce que tu fasses tout ce que... Monsieur, mais je ne sais même pas où le trouver. Non, tu ne peux pas me dire ça. Mais j'ai parlé avec Monsieur Bruce ce matin même. Il y a un numéro qui m'a appelé aujourd'hui qui m'a dit que Monsieur Bruce ne fait pas partie de toute cette affaire. Toi, tu es au bureau là-bas et tu me dis qu'ils ont sûrement déménagé. Comment est-ce possible? Monsieur, je vous dis que nous avons été escroqués. Escroqués? Non, ne me dis pas ça. Non! Mes 250 millions de naira ne peuvent juste pas s'en aller comme ça. Ne me dis pas ça. Ah! 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 Notre psychothérapeute a fait les examens sur elle et a finalement conclu qu'elle souffre de des désordres d'anxiété causés par les inquiétudes, la peur, qui ont affecté sa santé mentale, mais ne vous dérangez pas, parce que son cas n'est pas aussi grave. Ah. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Ah, ok, elle est sous traitement des antidépressions. Ça va le calmer. Elle aura besoin de beaucoup d'entretien en permanence pour l'évolution de son état. T'inquiète, ne te dérange pas beaucoup, elle est entre les bonnes mains. Oh bien, elle est là. Celle-ci, c'est le docteur Okoye, notre psychothérapeute. Oh, bienvenue, docteur. Et docteur, il est familier à notre patient. Oui. Merci beaucoup. Maintenant que notre patron a perdu toutes ses facultés pour marcher et il est maintenant handicapé, qu'allons-nous faire? Je ne crois pas qu'il ait encore de l'argent pour payer mon salaire. Il a déjà perdu toutes ses affaires et est devenu pauvre. Vais-je rester pour qu'il entre dans une crise de salaire? Parce que je suis la seule qui prend soin de lui. Cependant, il n'a plus d'argent. Je ne crois pas que... Je ne pense pas que je vais rester. Je dois chercher d'autres ressources. Je ne peux pas rester. Je dois partir.
Allô? Maman. Maman, c'est toi? Maman, je n'arrive pas à croire que c'est toi, maman. Maman, où es-tu? Maman, quel hôpital? Maman, dis-moi, je serai là dans quelques minutes. Ok, juste là en face. D'accord, maman, j'arrive là. Maman, je suis très heureux de te voir encore. Mais, maman, j'ai une petite question. Où étais-tu tout ce temps, maman? Premièrement, comment vont tes sœurs ainsi que ton père? J'espère que tu pars les rendre visite. Oui, maman. Oui, maman. Au fait, mes sœurs sont maintenant des célébrités sur Internet. Mmh? Oui, elles sont maintenant des célébrités sur Internet. C'est les quoi? Oui, maman. Célébrité? Attends, maman. Mais comment? Célébrité? Youtubeur? Mes filles, 2 millions de vues. Oui. 2 millions. 2 millions de vues. Regardez mes filles. Oh. Hey. Mes filles. Hey. Mes filles. Oh. Regardez mes filles. Oh. Mes filles. Oh. Hey. Mes filles sont devenues populaires. Mes filles. Viens me dire d'où tu viens. Bonsoir, papa. Je demande d'où viens-tu? J'étais allé voir ma maman à l'hôpital. Menteur! Ta mère n'est pas à l'hôpital. Si, papa. Elle est admise à l'hôpital de Shrive. Cool, elle m'a dit qu'elle est en train d'errer partout dans les rues. Elle y était, papa. Mais elle a amené à l'hôpital. Il l'a menée à l'hôpital. Et le médecin a dit qu'elle ira bientôt très bien. Je pensais t'avoir dit de ne rien avoir à voir avec cette femme. Pas maintenant, papa. Maman a besoin de moi. Et j'ai plus besoin de toi. Ne vois-tu pas dans quelles conditions je suis? Papa, je sais que tu as besoin de moi. Mais maman a aussi besoin de moi. Et papa, s'il te plaît. Ne me dis pas de rester loin de maman, papa. Monsieur Kumbu, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Et j'espère que tu trouveras le temps de comprendre. Vous rappelez-vous de l'accident que vous avez eu il y a 10 ans passés? Cet accident n'avait pas seulement affecté tes spermes. Cela avait aussi affecté ton organe productif. Je veux dire ta masculinité. Et cela t'a rendu stérile. Incapable de rendre une femme enceinte. Je ne suis pas stérile. C'est ce que tu y es. Ta femme m'avait supplié de ne pas te le dire. Parce qu'elle croyait que Dieu allait réparer tout ce qui avait été endommagé. Là, c'est vraiment trop. Donc elle le savait depuis tout ce temps, mais elle me l'a caché. Tout ça pour avoir les moyens d'aller coucher avec d'autres hommes partout.
Docteur Williams, je peux vous poursuivre en justice pour ça, vous savez. Vous avez tout le droit, messieurs. Mais votre femme m'a supplié de ne pas te dire et j'avais gardé le secret de peur que nous puissions te perdre. Alors, nous avions décidé de... Il y a de cela 2 ans depuis que mon mari a connu cet accident. Et maintenant, je commence à accepter que ce que tu as dit pour son organe de production est vrai. J'ai prié et me suis battue pour un miracle venant de Dieu. Mais cela est vain. Et à présent, le membre de sa famille sont inquiets. Franchement, je ne sais quoi faire, docteur. On ne peut pas avoir des enfants, tu le sais. Alors, dis-leur la vérité. Laisse que la famille sache que leur fils ne peut plus faire des enfants. Docteur, tu sais que c'est impossible. Je ne peux pas leur dire ça. Il s'inquiète pour son propre estime. Tu ne sais pas quelle peine il aura. Il peut même se suicider. Je ne peux pas. Docteur, je te le demande. Y a-t-il quelque chose que je peux faire? Il y a déjà 2 ans et je sais que la science a évolué. Vous avez raison, la science a évolué. Mais la vérité est que vous devez d'abord en discuter avec votre mari. Dans ce cas, vous pourriez avoir beaucoup d'enfants. Mais le meilleur est que vous pourriez faire l'insémination artificielle. Insémination artificielle. Je crois que je veux opter pour ça. Je veux faire l'insémination artificielle, s'il vous plaît. Mais comment allons-nous trouver le donneur? C'est... Docteur Williams. Monsieur. Sortez de chez moi. Attendez-vous à être contacté par mon avocat. Mais, monsieur... Sortez d'ici! Maintenant! C'est vraiment ce qui s'est passé. Le médecin a dit que tu es libre de partir. Hey! C'est merveilleux. Ah, merci Jésus. Merci Jésus. Tenez, merci pour tout. J'en suis reconnaissante. C'est bon. Tu n'as pas à me remercier. J'ai fait ce qui est normal pour moi. Je veux dire, nous sommes une famille et nous sommes censés être là les uns pour les autres à tout moment. Je te remercie. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Merci d'avoir veillé sur ma mère. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Qu'il te bénisse aussi, Ayo. J'irai mieux pour revoir mes filles. Elles me manquent énormément. Et je suis impatient de les revoir. Je sais, mais dans ce cas, je vais devoir aller avec vous, mais rassurer que vous arrivez à la maison sans et sauf. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est trop. Vous en avez déjà assez fait. Je prendrai soin de moi, s'il vous plaît. J'insiste, parce que mon esprit ne sera pas tranquille si je vous laisse aller à la maison, tout seul comme ça. Il faut que je t'amène à la maison, mais rassurer que tu arrives là-bas, saine et sauve. Ok, si tu insistes. C'est d'accord. Maman, j'aimerais aussi venir avec vous. Non, rentre à la maison et prends soin de ton père. Mais maman, j'aimerais aussi aller voir mes sœurs. Ne t'inquiète pas, dès que je serai à la maison, je vais t'appeler. Il est temps que tu partes. D'accord, maman. Merci beaucoup. Je me demande pourquoi elle a décidé de me cacher une telle information. Même quand elle a décidé d'aller faire une insémination de manière officielle. Je lui aurais donné tout le soutien dont elle pouvait avoir besoin. Cela veut donc dire qu'elle est innocente de toutes les accusations que j'ai portées contre elle. Ah.
Ouais, tourne. Allez, changez de position. Après, levez-vous. Vous ferez comme ceci. J'avais perdu la tête. J'ai perdu même mes idées. J'avais tout perdu. N'eût été votre oncle si présent qui m'avait secouru. Je n'aurais pas su ce qui m'aurait arrivé. Monsieur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre tante. Merci, oncle Koudé. Que Dieu te bénisse. Ma chérie, c'est bon. C'est mon plaisir. Que Dieu te bénisse. C'est bon. Tante Sylvia. Il n'est pas venu nous voir ces derniers temps. Non. Écoute, Ayou ne va pas très bien. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à Ama? On lui a remis une chaise roulante. Ah. Hey. Donc sa maladie s'est aggravée. C'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Kunle, merci d'avoir honoré mon invitation. J'aimerais aussi te présenter mes excuses pour la manière dont je t'ai traité la dernière fois ici. Mes émotions m'ont vraiment méconduit. Pardonne-moi s'il te plaît. Bien. Il n'y a rien à pardonner. Je veux dire, si j'étais moi-même à ta place, j'aurais réagi de la même manière que tu l'as fait. Mais la bonne partie ici est que tu as finalement réalisé que ta femme, depuis tous ces temps, ne disait que la vérité. Au fait, j'étais avec elle. Quand tu as appelé, alors j'ai quitté là-bas, j'ai décidé de venir te voir ici. Une autre chose. S'il te plaît, est-ce que tu peux la convaincre de me rendre visite? J'ai tellement de questions à lui poser. Oh oui, bien sûr, je vais lui dire tout ça. Wow, ça c'est la meilleure chose que j'ai entendue depuis tous ces temps. Je vais faire cela. Je cherchais même le mot pour vous convaincre afin que vous puissiez voyez retourner encore ensemble. Je vais le faire. Tu peux le considérer comme fait.
Sylvia, je te suggère de faire ce que Kunle a dit. Tu dois essayer de voir ton mari. Essaye de le faire, ok? S'il te plaît. Non. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, Kunle et le docteur lui ont dit la vérité. Alors pourquoi il est incapable de revenir vers moi? Ok, essaye d'aller premièrement. Hein? Il sait peu qu'il réalise son erreur. Hein? Et dans ce cas, tu saisiras l'opportunité de lui dire tout ce qui s'est passé. Je vais réfléchir. Il faut que je réfléchisse d'abord très bien avant de... Jusqu'à ce que nous allons trouver une solution. Ok. Bon, cessons de parler de moi. Parlons un peu de toi. Mm-hmm. Je vis la façon dont toi et Kunle étaient en train de vous regarder. Est-ce que tu l'aimes? Laisse-moi aller voir ce que j'ai mis au feu si ça brûle. Non, tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler. Je vais devoir vous excuser, mais... Ayo, viens avec moi. Merci d'être venu. Et merci d'être venu avec les filles. Sylvia. Docteur Williams et toi m'avez offensé. Vous avez pris une grande décision, de ma part, sans que je ne sois au courant. Pourquoi? Tim, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai échoué en cherchant de faire le bien pour nous deux. Je savais que si je te parlais à propos de ton organe productif, cela allait te choquer. Alors j'avais décidé de garder le secret. Je ne voulais pas te voir blessée. Quand tu as finalement décidé d'aller faire l'insémination, pourquoi tu ne m'as pas signalé? Je voulais que tu prennes le fil comme de ton propre sang. Et je savais que si tu avais eu connaissance de la procédure, tu n'allais pas accepter. Tu aurais dû me demander. Tu aurais dû me demander. C'est une trahison. Si, j'ai dit que je suis désolée. Pardonne-moi. Je m'en veux de t'avoir laissé dans le noir. Mais s'il te plaît, crois-moi quand je te dis que tu es l'unique et le seul homme qui m'a touchée. N'as-tu jamais eu quelque chose à voir avec un autre homme? Oui. Aucun homme ne m'a touchée, excepté toi. Quand le médecin m'a parlé de ton infertilité, y a-t-il espoir que tu marches encore? On m'a conseillé la chirurgie corrective. Mais cela demande beaucoup d'argent. Je pense que je resterai confiné dans cette chaise roulante pour le restant de ma vie. Tout ce que j'ai qui me reste, c'est cette maison seulement. La vendre signifiera que je serai sans abri. Voilà mon sort. Non, ne dis pas ça. Combien ils ont demandé? 50 millions de naira. Mais je n'en ai pas. Je veux qu'on parle maintenant de toi et les filles. Qu'est-ce que tu comptes faire? Cela ne dépend que de toi. Je veux dire qu'ils ne devraient pas être ici, mais ils ont insisté pour te voir. Et si je dis que tu ne devrais pas partir? Je veux dire, rentrer. Et si je te disais que je suis désolé pour la manière dont je t'ai traité, toi et nos filles? Tu les as appelés tes enfants? Oui.
je suis parvenu à réaliser que être le père biologique d'une personne n'est pas tout ce qu'il faut pour vraiment être le père de la personne. Il faut beaucoup plus que ça. Finalement, je suis aussi parvenu à comprendre que toute chose concourt pour notre bien. Je ne veux encore ensemble, comme une famille. Moi, toi, Ayo, ainsi que nos filles. Papa, tu dois vraiment mettre en tête que tout ira pour le mieux. Et je te rassure que j'ai tout compris. Maman nous a dit que tu nous as maintenant acceptés comme tes filles. Et nous en sommes ravis. Nous avons aussi compris que tu ne peux plus être le père que tu étais pour nous à cause de la condition, mais nous t'aimons toujours comme ça, tel que tu es. Nous t'aimons, papa. Et elles ont une surprise pour toi. Elles ont décidé de prendre l'argent dans leur compte pour ton intervention. Sylvia, je t'ai dit que pour mon opération, il me faut 50 000 de Naira. D'où est-ce qu'elles peuvent avoir cet argent-là? Tes filles présentes. Attends un peu. Tes filles ici présentes sont toutes des célébrités. Avec l'aide de Shuma, elles ont une plateforme en ligne. Et elles ont des meilleures vidéos. Et ces vidéos les ont apporté beaucoup d'argent. Pour enfin dire qu'elles sont toutes des ambassadrices. Et elles sont payées 10 millions de Naira par année. Et tu vois, chérie, tes filles sont de jeunes millionnaires. Quelle vie! Les mêmes enfants que j'ai rejetés sont une fois en train de m'aider. Je sais qu'on s'est connus il n'y a pas très longtemps. Mais tu vois, j'ai cette conviction que nous sommes faits pour être ensemble. Kundli, c'est si tôt, non? Hein? Tu parles si rapidement. C'est rapide. Je veux dire, toi et moi n'avons jamais eu de rendez-vous pour mieux se connaître. Et là, tu me parles du mariage. C'est vraiment rapide. Tu as raison. Mais tu vois, je ne veux pas très bien te connaître. Oui. Je veux t'épouser. Assure-moi, s'il te plaît. Épouse-moi. Épouse-moi, s'il te plaît.
Thank you.